j'espère que ça va. Écoutez, je commence à le prendre à la rigolade maintenant. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein, parce que franchement, voilà, ça fait 7 mois que je lis des trucs dans la presse qui n'ont, sans... en fait, c'est non-stop. Je sais pas. J'ai l'impression que je suis dans une cabale où tous les jours, il faut aller raconter un truc, sortir un truc, raconter des choses. Tout ta ta pa 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 pa. Je sais pas. On dirait que les, je lis des choses. Alors, on est, il y en a, ils écrivent. Alors, un proche de Magali Berda nous a confirmé que bla 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 bla. Mais proche de, c'est-à-dire que même ce qu'on, même ça, d'une, c'est-à-dire que j'ai jamais des trucs qui sont mais inventés, c'est-à-dire des phrases qui sont mais inventées. Et en plus. Des proches, on sait même pas qui c'est. C'est-à-dire que c'est facile. Moi, demain, je peux dire aussi le proche d'un tel, il a dit que, le proche d'un tel, il a dit que, et je raconte n'importe quoi, et toute la journée, boum, 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 boum. Voilà. Mais c'est une manière de faire, ça fait des mois que ça dure, où il faut absolument me faire passer pour un diable, il faut absolument raconter des trucs, des trucs dans tous les sens. Alors, un coup, ça peut être dans tous les sens. Ça veut dire, on m'a tout fait. Ça fait 7 mois, on m'a tout fait. On m'a tout fait. Ça veut dire, ça part de ma sextape, enfin la fausse, parce que c'est pas une vraie. Je préfère vous le dire tout de suite. Ah, mais bon, où j'ai quand même dû aller me justifier auprès de mes filles, auprès de mes enfants, parce que croyez-moi que j'en rigole maintenant, mais en vrai, quand vous êtes obligé d'aller vous justifier sur une fausse sextape et de trouver le film porno et de devoir le montrer à votre famille pour montrer que c'est pas vous, tellement vous êtes humilié, sali. Et puis après, ça passe par votre famille, vos relations avec votre père, vos relations avec votre mère, vos relations avec vos filles. Et puis après, ça passe sur votre physique, et puis sur votre travail, et puis sur votre société, et puis sur votre truc, et puis sur votre associé, et puis sur votre machin, et puis sur votre ceci et votre cela. Et non, mais oh, mais arrêtez, en fait, ça suffit. C'est-à-dire, à un moment donné, ça suffit. Ça suffit, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est. Oh, je suis pas le président de la République, je suis pas. Je suis personne, c'est-à-dire que je suis personne, je suis dégain. C'est-à-dire que je sais pas, je pense que ça passionne personne, qu'il y ait les mêmes journalistes toutes les semaines qui font des articles pour humilier, pour dénigrer. Et comme par hasard, c'est que des trucs négatifs, comme par hasard. C'est-à-dire que comme par hasard, vous avez des témoignages, je sais pas d'où ils sortent, des gens, on sait pas qui c'est, qui disent que, donc vous êtes ça, et vous êtes ci, et vous êtes ça. Eh, mais c'est bon, en fait, je sais pas, je suis. Il y a plein de je sais pas, je suis pas la seule femme aujourd'hui, je suis pas la seule personne à bosser dans une agence d'influence, à travailler, à avoir fondé une agence d'influence. Je pense qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont fait du bien, beaucoup de gens qui ont fait du mal, beaucoup de gens qui ont fait des erreurs, qui ont fait des trucs bien. Mais ça commence à bien faire là, ça commence à aller. En fait, ça veut dire que c'est, je sais pas, avec tout ce qu'on m'a inventé comme histoire depuis 7 mois, tout ce qu'on m'a inventé, qu'on m'a sali pour m'humilier depuis 7 mois, les gars, je sais pas comment je suis encore soit dehors, soit encore vivante. C'est-à-dire que vous vous rendez pas compte. Bizarrement, en plus de ça, ce qui est bizarre quand même, c'est que c'est toujours les mêmes journalistes, toujours les mêmes journaux qui viennent, qui vous déboîtent, ils viennent, ils vous démontent. C'est-à-dire que il y a des journaux, ils s'en contrefoutent de ce que vous faites parce que ça intéresse personne, ils ont raison. Il y en a d'autres, toutes les semaines, ils croient que votre vie, c'est un film Netflix. C'est-à-dire que toutes les semaines, oh, ce week-end, ils sont partis m'inventer quand même des bonbons que j'ai vendus moi, que c'est de ma faute. Des bonbons halal faits avec du porc ou de la gélatine de porc. Qu'est-ce que je mets? Un truc de. Je sais même pas de quoi on me parle. Je sais même pas de quoi on me parle. C'est-à-dire que c'est quand même. Et puis. Mais ça suffit, en fait. Ça suffit. Ça suffit. À un moment donné, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Arrêtez. Arrêtez. Je pense que vraiment, ma vie, les gens, ils en. Limite, je suis en train de vous dire que les gens, ils en ont marre, en fait. Ils doivent en avoir marre d'entendre parler de moi. C'est-à-dire passer à autre chose. Changer. J'ai de sujet, je sais pas, c'est, je sais pas si je vous, je sais pas, ça fait 6 mois que j'essaye de me remettre de ce que j'ai subi, ce que je subis encore, parce que malgré les arrestations qui ont eu lieu, ça continue, ça ne s'arrête pas. J'essaye de rester forte, j'essaye de montrer le bon exemple, de dire à toutes les personnes qui se font massacrer toute la journée sur les réseaux sociaux que bah faut rester debout. Pour avancer, pour mes enfants, pour ma famille, j'ai décidé de continuer à vivre, de me remettre de tout ça, de me relever. J'ai décidé d'être, ben je sais pas, de voilà. Mais il y a un moment donné, je sais pas, ça fait depuis le mois de mai, oh là, chez moi, ça veut dire ça suffit en vrai, c'est stop. Toutes les semaines, je sais pas, je sais pas, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? C'est-à-dire, c'est quoi votre problème avec moi? C'est quoi votre problème avec moi? C'est
Oh, je tue personne, j'ai jamais tué personne. C'est-à-dire que je travaille dur, je me lève tous les matins, je vais bosser, j'ai créé quelque chose, j'ai fondé une entreprise. Je veux dire, mais en fait, c'est quoi votre souci? Arrêtez. C'est-à-dire que c'est. Mais il y a, je sais pas, il y a plus d'arrêt, il y a plus de limite, il y a plus de limite. Franchement, ça y est, ça saoule. J'écoute tous les trucs qu'on parle des influenceurs, mais en fait, moi personnellement, je suis pas attaquée que sur ça. Si c'était, je serais pas moi attaquée seule déjà. Il y aurait plein d'autres personnes qui seraient attaquées. C'est pas moi. En fait, il y en a plein d'autres agences. Je suis pas la seule dans le milieu. Je suis pas la seule sur le marché. Donc, en fait, je me prends dans la gueule pour tout le monde. Il y a pas de problème. Pas de souci, peut-être vous voyez une meuf, donc on vous dit que ça va être plus facile sur elle que sur d'autres. Ok, très bien, pas de problème. Et puis, quand bien même, c'est-à-dire quel rapport avec ma famille, quel rapport avec les sextapes, quel rapport avec les humiliations toute la journée, quel rapport avec les trucs pour me rabaisser, pour des trucs sexistes, des trucs misogynes, des trucs qui n'ont rien à voir. Ça veut dire ça n'a rien à voir. Ça suit. En fait, c'est trop. Alors, vous allez me dire, il faudrait se barrer des réseaux sociaux. Mais en fait, mais pourquoi vous voulez que je vous fasse ce plaisir? Pourquoi vous voulez aujourd'hui ce que j'ai fait pendant des mois hein, et finalement fait parce que je suis restée quand même enfermée, je suis restée à me morfondre. Mais au final, mais pourquoi? En fait, pourquoi je vais me morfondre? Il y a des gens. Il raconte, mais des trucs, mais n'importe quoi. Toute la journée, j'entends des trucs. Alors, Magali Berda, elle nous a fait ça. Magali Berda, oh là là, c'est elle qui a fait ci, c'est elle qui a fait ça. Et elle a payé un tel. Et elle a, oh là là, elle a provoqué ça. Et nanana, mais les gars, en fait, les seuls qui parlent là, c'est vous. C'est même pas moi, en fait. Moi, je veux faire ma vie tranquille. En fait, foutez-moi la paix. Les seules personnes qui sont fatiguées du cerveau, c'est ceux qui font des tweets tous les jours, des vidéos toutes les semaines où ils parlent que de vous, etc. etc. Ces gens-là vont leur dire, mais les gars, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? C'est-à-dire qu'en fait, mais je parle pas de vous. Moi, je veux qu'on me foute la paix. Je veux qu'on me laisse tranquille. Voilà, je veux qu'on me laisse tranquille. Ça veut dire que vraiment, c'est trop facile. C'est trop facile. Et il n'y a pas de raison aujourd'hui, ni que je vous fasse que c'est du jamais vu. C'est-à-dire que voilà, donc pendant 6 mois, j'ai fermé ma bouche, j'ai fermé ma gueule, j'ai rien dit parce que j'étais pas en état. D'accord? J'ai pas honte de le dire. J'ai pas honte de le dire. Voilà. Il y a une justice, il y a une enquête en cours, il y a déjà eu des arrestations. Merci, merci du fond du cœur parce que personne, personne, je dis bien personne, ne peut se rendre compte de ce que j'ai subi ces derniers mois, de ce que j'ai pu supporter ces derniers mois, à part les enquêteurs qui ont enquêté sur mon dossier, mes avocats qui étaient 24 sur 24 avec moi, les enquêteurs qui sont bah, du coup sur le dossier et voilà, qui ont déjà arrêté des gens. Et franchement, mais vous savez même pas à quel point je les remercie du fond du cœur, vraiment, parce que personne ne peut se rendre compte la violence de ce qui se passe depuis des mois, en fait. Depuis des mois. Sur tous les plans, à tous les niveaux. On m'a défoncé, défoncé. Ceux qui ont fait ça en assumeront les conséquences. Et ce qui m'est arrivé à moi, et ce qui m'arrive aujourd'hui à moi, ça peut arriver à n'importe qui d'entre vous. C'est pas parce que vous êtes une femme, c'est pas parce que vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est pas parce que vous vous êtes exposé, c'est pas parce que vous travaillez, c'est pas parce que vous avez fait des erreurs dans votre vie, c'est pas parce que vous avez décidé de vous relever, que vous avez décidé de vous de grandir, c'est pas parce que tout ça que vous devez fermer votre gueule et subir en silence sur les réseaux sociaux et accepter le comportement de certains et accepter tout ça en fait. Personne ne doit accepter ça. Personne ne doit accepter ça. Vraiment. C'est-à-dire que, et franchement, et j'y reviendrai autant qu'il faudra, mais je vous l'ai dit ce week-end, à partir de maintenant, je ne me laisserai plus faire, je ne fermerai plus ma bouche, je ne me tairai plus en fait, parce que c'est trop. Voilà. Vraiment. C'est-à-dire, franchement, mais hallucinant, hallucinant. Et certaines presses, pas toutes, heureusement, certains, qui en graine et en graine et en graine et en graine toute la journée, bref, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, j'avance, je continue d'avancer. Les gens qui m'aiment, ils me connaissent, les gens qui savent, ils savent, ceux qui m'aiment pas, ne m'aimez pas. Changez de route, ne me suivez pas, ne me regardez pas, enlevez-moi tous les followers qui m'aiment pas, j'ai aucun problème avec ça. Je préfère avoir moins de followers, moins de gens qui me suivent, mais des gens gentils, bienveillants, que des centaines ou des milliers
de fous furieux qui sont méchants et qui développent de la haine toute la journée, si vous ne m'aimez pas, si vous n'aimez pas ce que je représente, si vous n'aimez pas la personne que je suis, vous avez le droit de ne pas me suivre. Mais s'il vous plaît, en fait, arrêtez de m'inventer des vies. Si, enfin, je sais pas, c'est fou. En fait, j'ai jamais vu, je pensais pas que c'était possible, que ça existait, de vouloir à ce point-là détruire quelqu'un sur tous les pans de sa vie, tout. On m'a tout fait, ils sont passés dans tous les sens. Et il y a des gens, le pire, c'est quand c'est des gens, quand par exemple c'est des députés ou des gens qui sont quand même responsables, qui rigolent. Ils jouent limite avec les personnes qui vous harcèlent. Vous savez, il y a des gens tous les jours sur les réseaux, ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas. Et quand vous voyez qu'il y a des gens qui sont responsables, qui savent qu'il faut faire, et ça, je le demande depuis longtemps. J'en ai parlé sur mes réseaux sociaux déjà en 2020. J'en ai parlé en 2021 à la presse. D'accord? J'ai écrit à des gens en 2021 pour ça. Pour réguler les placements de produits. C'est une vérité et il faut le faire. Et bravo à tous ceux qui s'y mettent. Bravo. Et à tous ceux qui parlent. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de sujet. On est tous d'accord avec ça. Cyberharcèlement, c'est quelque chose de gravissime. De gravissime. Voilà, sur lequel il faut lutter. La misogynie, le sexisme, l'antisémitisme, le racisme, l'homophobie, tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut lutter autant, si ce n'est plus, allez, pas plus, pas plus, mais au minimum autant que la régulation des placements de produits. Il y a deux sujets. Il y en a deux, pour moi, qui sont importants et qui me concernent. Parce qu'aujourd'hui, je subis pour l'un grâce à l'autre, en fait. Je sais pas comment, si vous me comprenez ce que je veux dire. Mais en fait, bref, tout ça, c'est pas acceptable de beaucoup de gens. Voilà, de beaucoup de gens et des gens qui sont... Bah, encore une fois, quand je vois des députés en rire sur les réseaux, bah, moi, ça m'amuse pas, en fait. Parce que si je montrais tous les tweets que j'ai reçus, tous les messages et toutes les menaces de mort que j'ai reçues à ces mêmes personnes, ils comprendraient qu'il faut pas rigoler avec ça. Réguler, oui, pas de problème. Pas de problème. Pas de souci. Réguler, il faut le faire. Évidemment. Mais il y a des limites. On est des êtres humains. Et ce qui m'énerve, c'est que chez certains, en fait, je ne vois pas du tout. C'est-à-dire que c'est ce que je subis, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Voilà, c'est inadmissible. Des fois, oui, je me demande, ouais, on me dira, ouais, tu encore joues parce que tu es une femme, machin. Ouais, mais en fait, je me pose vraiment la question, en fait. Je me pose vraiment la question parce que dans le milieu, il y a beaucoup d'hommes. Enfin, il y en a beaucoup. Je sais pas pourquoi, et je n'arrive pas à comprendre. Il y en a beaucoup, beaucoup. Je ne suis pas la seule. Mais on parle que de moi. C'est comme si j'étais la seule, alors que c'est pas vrai. Donc, à un moment donné, oui, je me pose la question. Peut-être que je me trompe, attention, hein, peut-être que je me trompe. Mais j'ai le droit de me poser la question. Voilà, parce que ça fait beaucoup encaisser tout ce qu'on me met sur la gueule. Et encore, je ne vous montre pas tout, parce qu'il y en aurait beaucoup trop longtemps. Et voilà, et puis j'ai même pas envie. Mais c'est quand même... Ouais, c'est quand même... Ça commence à être lourd et je vois qu'il y en a, ils mettent pas. En fait, je sais pas, il y a eu quand même 13 arrestations, plus deux autres. 13 arrestations, plus deux autres, ça fait 15 en tout. Bah en fait, en tout, hein, donc 13 d'un côté, deux dans deux autres dossiers liés quand même à ce que je subis. Bon, bref, il y a une enquête en cours. Je ne. Mais en fait, c'est concret. Tout le monde s'en contrecarre, quoi. Alors je me dis finalement, en fait, il y en a plein qui viennent parler de cyberharcèlement, de machin, oui, il faut lutter. Et en fait, je vous assure qu'il y en a plus qui sont contre-car. Vraiment. C'est-à-dire qu'en vrai, vous pouvez vous faire massacrer. Pff, attention, je ne parle pas de la justice, parce qu'encore une fois, la seule chose qui m'a fait tenir debout, et qui m'a fait tenir debout vraiment, et je vous le dis, ce sont mes avocats qui ont été là pour moi, ma famille bien évidemment, hein. Et mes enfants et Stéphane, évidemment. Et la justice qui avance et que je remercie tous les matins quand je me lève. Tous les matins, quand je me lève, je dis merci. Merci, merci, merci. Mais si il y en a qui peuvent mettre un petit peu d'énergie sur ce qui se passe et qui pouvaient, ben, je ne sais pas, se rendre compte de la gravité, à quel point on peut toucher les gens, toucher tout le monde, en fait. Parce qu'encore une fois, ce qui m'arrive, ça arrive à d'autres. Moi, je reçois des tonnes de témoignages de gens qui me disent « Mais j'ai vécu ça, je vis comme toi, je subis ça. » Et ces gens-là, on les entend pas, on les accompagne pas. Il y en a qui ont pas... C'est dur, en fait. Franchement, c'est horrible. C'est quelque chose de criminel. C'est criminel, vous vous rendez pas compte. Et en fait, je me dis « Mais est-ce que quelqu'un
Enfin, je sais pas, tout le monde se lève sur les placements parce que ça fait parler, ça fait le buzz et ça fait la lumière. Et là, il y en a qui tirent leur truc. Et, oh, bah, bah, bah. Et c'est tant mieux parce qu'encore une fois, ça sert et il faut le faire. Mais en fait, tout ce que j'ai pu recevoir, alors ok, vous n'êtes pas au courant parce que enfin, si, en début d'été, je les avais un peu publiés, j'en ai parlé, etc. Mais en fait, je pense que vous vous rendez pas compte, c'est que moi, franchement, je me dis, avec le temps que j'ai des épaules, vraiment. Mais en fait, il y a des gens qui n'ont pas ces épaules-là. Et ces gens-là, eh ben, je me dis, mais les pauvres, vous savez pas, vous savez pas, vous pouvez pas vous imaginer cette violence, vous ne pouvez pas vous imaginer cette violence. Il faut pas laisser ça comme ça, c'est pas possible en fait, c'est gravissime. Voilà, c'est les réseaux sociaux, vous pouvez tuer quelqu'un, vous pouvez tuer quelqu'un devant tout le monde. Tout le monde en rigole. On s'en amuse, maintenant il y a même des gens en politique qui en rigolent. Je vous le jure, c'est ouf. C'est ouf. J'ai vu des choses qui sont graves. C'est horrible. On ne peut pas laisser passer ça. Et je vous jure, je ne peux pas. Je peux pas. C'est-à-dire, je peux plus me taire, j'arrive plus. Plus. Alors peut-être je vais vous saouler, peut-être ça va vous saouler, je m'en fous en fait. Parce que là, je parle pour moi et que ça me fait du bien. Parce que je ne l'ai pas fait depuis très très longtemps, parce que j'ai tout encaissé. J'ai tout pris sur mes épaules, j'ai tout pris dans la gueule. Pam, pam, j'ai tout pris des coups, des coups, des coups, des coups, des coups, des coups, toutes les secondes, tout le temps. Et ça continue. Et ça s'arrête pas. Et les journalistes qui s'y mettent maintenant, suivant que t'es dans quel journal. Alors celui-là, il est bien certainement avec un tel, donc il va me défoncer. L'autre, il est pas contre moi, donc il est gentil. En fait, il est juste neutre. Il est juste. Enfin, en fait, juste. Juste. Il y en a, ils écrivent des trucs. Bref, désolée, mais j'avais besoin de parler, ça m'a fait du bien. Et puis, arrêtez d'inventer n'importe quoi, arrêtez de raconter ce que vous avez envie de raconter, arrêtez de tirer vos conclusions, arrêtez de créer des amalgames, arrêtez. Ça y est, ça saoule en fait. Passez à autre chose, je sais pas, occupez-vous de quelqu'un d'autre. Il y a plein de belles choses, il y a plein de belles causes. Je sais pas, moi, mettez-vous à fond, bah voilà, sur les régulations des placements de produits, ça sera super. Mais en fait, vous ne pouvez pas aujourd'hui prendre une personne et lui mettre toutes les responsabilités de la terre entière sur le dos, des histoires de sextape, aux bonbons halal, aux trucs de ma fille de 14 ans, enfin qui avait 14 ans, aux trucs de mon autre fille de 11 ans, aux trucs de ma mère, aux trucs de. Bref, je ne peux même pas vous donner les détails tellement il y en a eu ces derniers mois, tous les jours, tous les jours, tous les jours, encore un nouveau scandale, un nouveau machin, mais en fait, vous les créez tout seul. Moi, je parle de personne sur mes réseaux sociaux. Je parle de rien. Je m'en. Chacun fait sa vie tant que vous êtes heureux. Concentrez-vous sur vous. Battez-vous pour des belles causes. Les placements de produits en font partie. Le cyberharcèlement en fait partie. La misogynie, le sexisme horrible en fait partie. L'antisémitisme en fait partie, le racisme, même l'islamophobie aussi, c'est gravissime ce qui se passe. Il y a des choses horribles sur lesquelles vous pouvez vous battre, dépenser votre énergie sur tout ça, plutôt que de vouloir absolument tuer quelqu'un, absolument raconter n'importe quoi, pour vraiment l'humilier, la défoncer. Ça sert à quoi en fait ça, de toute façon, en vrai, de vrai, vous voulez que je vous dise la vérité? Voilà la meilleure réponse voilà, de mon mari, regardez. Il dort. Voilà. C'est qu'en fait, vous vous fatiguez pour rien parce que sur la tête de ma mère, j'allais parler comme ça. Je suis désolée de parler comme ça. Mais je lâcherai rien et je continuerai que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Eh ben, je suis là, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Encore il y a quelques semaines, il y a quelques mois en arrière, vous m'auriez dit oui, blablabla, j'étais tellement pas bien, j'étais tellement. Mais là, j'ai repris du poil de la bête quand j'ai eu cette magnifique nouvelle qu'ils ont arrêté ces gens horribles, que ces gens-là, ils vont être condamnés. La justice fait son travail. C'est pas à moi de faire ce travail-là. C'est à la justice de le faire. Moi, j'ai pas donné de nom sur mes réseaux. J'ai pas parce que c'est pas à moi de faire ça. Il y a une justice, elle est là pour ça, et chacun devrait en faire de même. Et en vrai, bah, je me dis, donc continuez à vous faire plaisir, à raconter n'importe quoi, bla 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 bla. Franchement, voilà. Aujourd'hui, je vais mieux. Et je suis debout, la tête haute. Et je suis très, très contente. Voilà, je suis très contente. Parce que ça avance. Et c'est la seule chose qui tient. En fait,
pour les gens qui subissent ce harcèlement en meute de fous furieux. Bah en fait, le problème, c'est que tous les jours, vous vous dites, ça s'arrête quand? Il n'y a pas de fin, il n'y aura pas d'arrêt, ça sert à rien. En fait, je me suis levée le matin, je me suis dit, mais en fait, ça sert à quoi de vivre comme ça? Ça sert à quoi? En fait, c'est quoi l'objectif d'une vie comme ça? Qui c'est qui mérite de vivre ça, en fait? Tous les matins, tu te lèves, tu as des menaces de mort, tu te couches, tu as des menaces de mort, tu as des trucs, tu as des tweets, tu as des machins, tu as des montages, tu as des histoires, tu as des trucs, on t'invente des choses, etc., etc. Et en fait, à quoi ça sert? Puis du coup, en vrai, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas une... Enfin, c'est... Ça y est, je veux plus. Il y a plein de fois, je me suis levée le matin, je me suis dit, ça y est, je veux plus, c'est fini. Ça y est, je préfère partir, laissez-moi. Ça y est, je veux plus de cette vie, je veux plus vivre ça, je veux plus. Puis à chaque fois, je pensais à mes enfants, à mes filles. Et à chaque fois, je pensais à Stéphane, déjà au drame que lui, il a vécu l'année dernière et tout. Puis je me dis, ben non, en fait, je peux pas faire ça, je peux pas faire... Puis même pour les gens qui me font du mal, je me dis, je peux pas leur faire ce cadeau et tout. Et il n'y a pas d'arrêt. Puis le matin, ça recommence. Puis il n'y a plus vite. Mais jusqu'à quand? Et en vrai, quand il y a eu les arrestations, je me suis dit, il y a une justice. C'est long, mais elle est là. Et en fait, ça m'a redonné un coup de fouet. Et c'est pour ça que depuis ça, je suis revenue sur les réseaux et que j'arrive à plus facilement m'exprimer maintenant. Avant, je faisais beaucoup de textes, vous savez, un peu noir. J'écrivais là sur... Parce que j'arrivais même pas à parler en fait, donc voilà. Et maintenant je me dis, en fait, il faut pas abandonner, parce que il faut pas que, et là vraiment je m'adresse aux gens qui vivent ce genre de choses, faut pas que vous fassiez ce cadeau à ces gens là parce que ces gens là ils vous méritent pas, en fait. Ils méritent pas, ils méritent que de vous voir sourire et que de vous voir debout. C'est tout ce qu'ils méritent, c'est ça. Donc voilà, j'ai envie que ces gens qui ont été arrêtés, ils me voient en face de mon téléphone avec le sourire forte et dire, mais les gars, vous verrez où je serai dans 10 ans, on en reparlera, parce que moi, j'avance. Enfin, vous croyez quoi en fait? C'est désolé, hein, mais ça n'a pas marché. Puis des trucs atroces, mais... Et vraiment, hein, que je souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi, je lui souhaite ça. Parce que personne, aucun être humain ne mérite de vivre un truc pareil. C'est long. En fait, le plus dur, c'était le temps. Le plus dur, c'était le temps, en fait. Non-stop. Et en fait, même après que les gens aient été arrêtés, ça continue. Hein. Il y en a, ils n'arrêtent pas. Hein. C'est non-stop encore. Des fois, c'est pire même. Mais en vrai, je me dis que si j'ai vécu tout ça, peut-être c'est parce que... en fait, je devais le vivre peut-être pour, je sais pas, peut-être, je me remets en question, peut-être je devais redescendre sur terre, je devais avoir plus d'humilité, je devais peut-être me remettre en question, peut-être que je devais... Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est un combat. C'est-à-dire qu'en vrai, vous avez donné un sens à ma vie. J'avais un sens à ma vie, hein, croyez-moi, hein. Mais j'en ai un de plus. J'ai un nouvel objectif. Que là, je sais que là, il y en a plein qui s'en foutent de ce que je raconte, et tant pis, il n'y a pas de problème. Je m'en fous, en fait. Je m'adresse même pas à vous, en vrai. En vrai, je m'adresse à ceux qui ont besoin, et c'est tout. Ceux qui ont envie d'écouter, ils écoutent. Ceux qui n'ont pas envie, ils n'écoutent pas. Je m'en contrefous. Mais je sais que l'année prochaine, il va y avoir beaucoup d'audience en 2023. Et je sais que là, les gens, ils vont commencer à comprendre ce qui m'est arrivé. Et ce qui me fait le plus... Enfin, ce qui m'a fait... Une des choses qui m'a vraiment fait mal... C'est que avant tout ça, j'avais rencontré plein de gens qui me disaient oui, moi je lutte contre ça, je lutte contre ça. Et à chaque fois que j'ai encaissé un coup, tac, 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 ces gens-là, ils n'étaient pas là. Ces gens-là, ils n'étaient pas là-dessus. Ils font comme s'ils ne voient pas. Ben oui, on se rigonfle à côté. Je l'adore. Voilà. Mais ça, c'est sa plus belle réponse, en vrai. C'est tellement mignon. Voilà.